Bonjour et bienvenue sur notprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir un disque dur de FAT32 en un TFS. Alors, on va aller dans panneau de configuration. Je vais vous montrer un exemple de disque dur d'une clé USB qu'elle est toujours en FAT32. Voilà. Donc, en fait, le problème ici, c'est-à-dire qu'on veut, ça soit un disque dur de 500 Go ou 1 Tera, peu importe, s'il est en FAT32, si vous souhaitez transférer des fichiers qui font plus que de 4 Go, le système il vous dit c'est impossible de transférer les fichiers. Donc il y a un message d'erreur qui s'affiche à l'écran. Pour remédier à ce problème-là, il faut convertir le disque en FAT32 en un TFS. Pour ce faire, vous allez lancer une ligne de commande, donc CMD. Fait un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous cliquez sur oui, et là vous arrivez ici. Donc là, notre disque dur, disque amovible, c'est le F. Donc il se fait de lancer la commande convert. Donc notre disque dur, c'est F. On va faire F:// fs, file system. Voilà, et là on lui dit. Je veux la voir au NTFS. Donc, voilà. Donc là, il est en train de convertir le file system de FAT32 en NTFS. Selon la capacité de disque dur, cela peut prendre plusieurs minutes. Nous allons voir, ça va être rapide avec 4 Go de mémoire. Pour la clé USB, ça va être rapide. Ce n'est pas très très long. Voilà, c'est fini. Là, on va faire encore une fois clic droit, propriété pour vérifier. Maintenant, nous allons voir NTFS au lieu de FAT32. Voilà, c'est noté NTFS au lieu de FAT32 tout à l'heure. Maintenant, si vous souhaitez déplacer des fichiers plus que 4 Go, ça ne pose aucun problème. Vu ça, c'est juste un exemple pour un disque dur de petite capacité, enfin pour une clé USB de petite capacité de 4 Go. Sinon, vous pouvez faire idem pour un disque dur, comme je disais, 120 Go, 250, 320, 500, 750, etc. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur d'autres astuces sur Windows 7. Donc il suffit juste de cliquer sur mon prénom, Norodine, et là ça va vous rediriger directement vers mes autres vidéos, mes autres astuces sur Windows 7. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.